Salut les Smashers, ici Smashou. Nous nous retrouvons sur Pokémon Soleil pour l'épisode numéro 12 de notre Let's Play. Déjà l'épisode numéro 12. Lors de l'épisode précédent, Nefi, qui est la fille qui est ici, nous a donné la possibilité de monter sur l'eau classe. Donc là, logiquement, c'est l'équivalent de surf. Très bien. Wouah! C'est quoi cette capacité? Quand je fais B, il fait ça. Ah, il charge en fait, c'est ça? Ah ouais, il charge. Ah d'accord, les dresseurs nous voient quand même si on surfe. Je me permets de manger un petit pain au chocolat, les amis. J'ai trop faim. Heidi la randonneuse. Passe rouge, d'accord. Go balafre. Bon, jet de pierre, on a complètement l'avantage sur passe rouge. Oh, on a raté. Allez, balafre. Attaque jet de pierre. Voilà. Pas mort. Allez, on fait morsure pour terminer. Passe rouge, je crois qu'il est seulement type... Est-ce qu'il est feu vol? Ça m'étonnerait parce que là il craint quand même x4, il a tenu. C'est même bizarre. Ok, il y a un objet, là, on va le ramasser. Spécial plus, ok, c'est pas terrible. Oh, je m'en fous, dégage. Voilà, moi je veux monter sur l'eau classe. C'est quand même trop stylé de l'eau classe là. Ils ont bien choisi le Pokémon parce que c'est un des Pokémon les plus emblématiques qui lance surf quoi. Lui il veut se battre. Ouais, c'est un dresseur aussi, on va se le faire. Alors par contre, Rocabo est pas terrible contre lui vu qu'il est type roche. Mais bon, c'est pas grave, on y va comme ça. Ils ont des bonnes têtes les pêcheurs, hein. Ils ont l'air... comment on dit, gentils. Petit art, ok. Bon, je vais pas rester avec Balafre. Hein. Ça craint un petit peu. Ça pue un peu, hein, rester avec Balafre. On va plutôt envoyer... Écoutez, on va envoyer Vaeline, hein, parce que Magnéti n'a plus beaucoup de vie. Donc on va envoyer Vaeline. D'ailleurs, je vais essayer de soigner Magnéti juste après le combat. Écume, ok, on va l'encaisser facilement, puisque on est type plante. Voilà, merci. Et go trancherbe. Là, ça va le... Ah, hypnose, ça a raté. Merci. 60% de précision hypnose, hein, ça rate quand même très souvent. Trancherbe, adieu petit tar. Ok. Ok, ok. Alors. Allez, on va soigner quand même Magnéti parce que... Il y a un tourbillon dans le lac qu'on doit aller voir grâce à l'eau classe. Et ce tourbillon, c'est probablement un Pokémon aquatique très puissant d'après Nefi. Qui nous l'a dit. J'aimerais connaître l'origine de ces remous. Oui, je vais aller voir. Genre, je peux même pas aller... vas-y, allez, on va voir. Oh! Ça se... D'accord. Ça s'est barré. Ah oui, si, je vois ce que c'est. Voilà. C'est le... Oui, c'est Froussardine. C'est un Pokémon qui peut se rassembler en banc. Est-ce qu'on peut le capturer du coup? Il est sauvage. Hein. Il est sauvage ce Poké, donc on va le capturer avec Alcaline. On a bien fait de le soigner. Décidément, il y a beaucoup de captures hein, dans... durant les derniers épisodes, mais j'ai vraiment envie de profiter du jeu. Et de remplir Pokédex pendant l'aventure le plus possible. De vous lire les descriptions, etc. Ça m'amuse beaucoup. J'espère que vous aussi, les amis. Ok, il est paralysé. Feinte. Bon, par contre, à mon avis, Bombément va pas lui faire grand-chose. Malheureusement, puisqu'il doit être type O, hein, ce Froussardine. Oh, ça fait quand même de bons dégâts. Anohydro. Ah, bon, on va lui jeter une balle. Il est marrant, ce Froussardine. Allez. Super Ball. Allons-y pour une Super Ball pour ce Froussardine. Alors lui, je sais qu'il a une forme banc. On l'avait vu dans les trailers. Une forme où vraiment tous les Froussardines se rassemblent pour faire une sorte de gros poisson énorme. Et c'était tellement stylé. J'ai adoré cette forme. Je sais pas du tout si ce sera jouable en stratégie. Je pense pas. Il est capturé. Balaf niveau 20, ça c'est bon.
Bah, Laf commence à rattraper son retard. Alors, voyons voir. Fou Sardina à la tronche. Ah, il a pas d'évolution. En fait, c'est... Ah non, c'est une autre forme. Ah oui, d'accord. Vu que c'est une autre forme, c'est pas une évolution. Non, je suis bête. Alors, quand il est dans le pétrin, les yeux deviennent luisants et semblables... C'est semblable à court alors et forme avec lui un banc de combat. D'accord, donc a priori c'est quand il perd la vie. Quand il est à moins de la moitié sûrement. Il me semble que c'est ça. Ok. Oh, ces violents mots étaient causés par un tout petit fou sardine. Comme dit mon tapa, ce n'est pas la taille qui compte mais la force du clapotis. C'est sale là. Là c'est très sale. C'est pas la taille qui compte, c'est la force du clapotis. Tiens, que se passe-t-il encore? J'entends l'eau qui s'agit, ça vient de là-bas. Serait-ce qu'un Pokémon? Ou un bon nageur en détresse? Il n'y a qu'un moyen de savoir, je compte sur vous. Ok, bon. Allez. On va devoir aller checker ailleurs. Ah, encore un objet. Elle est sympa cette route. Alors, où sont les remous? Ah, c'est là. Oh, il fait gris, hein. Il fait super gris dans le jeu, là. Non, j'ai oublié votre nom. Je m'appelle Smashou, meuf. Ah oui, Smashou. C'est un joli nom, mais c'est dur de s'en souvenir. Pardon. Regardez là-bas. Ah, ok, encore. Des roumous dans l'eau. Allez, on y va. On va les voir. Ah, je suis fan de la monture low class. C'est stylé. Ah, c'est cool. Ok, ça repart. Ça repart dans les autres lacs, là. Donc là, on va en rebattre un fou sardine, vraisemblablement. Ouais, c'est encore un fou sardine. Alors, est-ce qu'il faut tous les battre? C'est ça la question. J'ai envoyé Vaeline. On va peut-être mettre Vaeline en lead, hein, parce que là, si on se tape plusieurs fous sardines d'affilée et qu'à chaque fois, on arrive avec Rocabo en lead, ça va pas être très pratique. On va plutôt... on serait mieux de le switcher. Ah non, Hydro, ok. Il appelle à l'aide. Ah, peut-être qu'il va se mettre en banc, non? Non, c'est un autre fou sardine. Il me semble que Tranchère touche les deux. Très bien. Donc on va affaiblir les deux. Allez, mangez ça, bande de poissons. Voilà, easy. Ok, ils sont morts d'un coup. Ils ont l'air vraiment nuls, hein, les fous sardines. Ok, très bien. Allez, bah du coup, allez, on va mettre Vaeline en premier. La pluie se met à tomber. Ah! Oh, mais c'est encore un petit frou sardine. Ils sont particulièrement agités ces temps-ci. Et mon beau nageur, sniff. Ah, il y a encore, ça, encore des clapotis. Encore un Pokémon, comme dirait, en 203. Cette fois, je suis sûr, c'est un nageur en détresse. La meuf, elle est en chien ou quoi? Allez. On a dit, on met Vaeline en premier. Parce qu'il y en a un petit peu marre, là, des frous sardines. On va les défoncer d'un coup. Ah, coucou toi le pêcheur, viens te battre. Si tu trempes ta ligne dans l'océan, qui sait ce que tu remonteras? Peut-être un gros dresseur comme moi. Bah déjà donne-moi une canne à pêche parce qu'on a pas de ligne à faire tremper dans l'eau comme tu dis. Pedro le pêcheur, ok. Pedro le péqueux. Oh tu pèques. Magikarp, super. Bravo, bravo. Niveau 18, 16. Elle est encore... Ah, il y a la pluie, vous voyez? Pas mal, la pluie sur l'écran du bas. C'est stylé, les amis. Il y a une petite animation de gouttes d'eau et on voit le climat pluie. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, du coup, plus. Pluie. D'accord. En fait, il est boosté par la pluie. Et nous, plus. On sait pas. Bon. Trempette, génial. C'est vrai qu'il a glissade Magikarp, du coup il est beaucoup plus rapide que nous. Et il a évité! Ah génial, Trempette. Allez, mange ton tronc herbe, là tu meurs. Bah oui, Magikarp, c'est un Magikarp les amis. Ok, Arak niveau 16. Arak va prendre Bulldo. On va lui apprendre, à la place d'Écume. Parce que Bulldo c'est plus puissant qu'Écume tout simplement. Magikarp encore, bon, on continue sans changer. Hein. On va utiliser un deuxième tranchère pour le finir et puis basta, ce sera terminé de ce pêcheur. Charge, oulala, un Magikarp très agressif. Super, 2 PV avec charge. À la mort, mange ton tranchère.
Coup critique. C'est vrai que ton chien a un taux de coup critique élevé, les amis. Ok. 540 Poké-Dollars. En fait, c'est les thunes les plus intéressantes dans les dresseurs Magikarp. Alors. On rencontre que la colline Clapotis abrite de fameux Pokémon légendaires, l'océan incarné, Kyogre. Ouh. Sérieux? Et c'était une blague. Ah, d'accord. C'était une blague. Pas de Kyogre dans ces eaux, les amis. Alors. En tout cas, je trouve les décors vraiment bien faits, moi. Je trouve les décors très bien faits de ce jeu. Les zones sont très belles. Hein. Smashou, vous avez suivi mon sillage jusqu'ici? Ouais. Ah, début de l'épreuve. D'accord, ok. Une épreuve. Vous avez franchi le portail du capitaine. Vous savez ce que ça signifie? Épreuve! A challenge! Pour réussir mon épreuve, vous allez devoir vaincre le Pokémon dominant. Un vrai tyran d'eau. D'accord. Regardez comme l'eau bouffe furieusement, c'est la vague surtout le Pokémon dominant. À moins que ce soit le fruit sardine de tout à l'heure. D'accord. Ok. Et eh ben je m'en bats les steaks, on va aller le poutrer ton Pokémon dominant. Un coup de tonnerre résonne au loin. Ouh, stylé. Le clash tremble de peur. Ah 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 ah, voilà. Voilà, 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 la forme qu'on attendait, les amis. Boum. Wow. What the fuck. Il est énorme. Il est si gros que ça. Voyons voir sa taille en combat. Ah, il a l'air beaucoup moins gros, là. Constantine dominant veut se battre. Alors, qu'est-ce qui a augmenté? Sa défense. Voyons sa taille. Ok, il est quand même gros, il est quand même gros. D'accord, sa défense est augmentée d'un cran, comme vous pouvez le voir sur l'écran du bas, les amis. Ça reste un type haut, hein, donc je pense qu'on va y aller à coup de trancherbe. Il est quand même bien stylé, hein. Tous les petits froussardines qui sont rassemblés pour faire une forme banc. What? C'était ça le Pokémon dominant? Non mais... Sérieux? Allez, on apprend Picor à la place de Pic-Pic. Sérieux? C'était juste ça le Pokémon dominant? On lui met un tronchard coup critique et c'est fini. Je suis un peu déçu pour l'instant des épreuves, hein. Je trouve que c'est vraiment pas dur. Hein. Bubu va prendre Acrobatie. Oui, à la place de Sécrétion. D'accord, ok. Bon. Acrobatie pour un type insecte, c'est quand même ça. Ouh, petite mèche, on se remet la mèche bien. On a battu le Froussardine dominant. Ok, easy, vraiment facile. Hein. D'accord. Alors là, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, hein. En un coup. On venait par ici, ok. Je suis un peu déçu, bon. Bon, bon, bon. Je ne sais que dire. Bah ouais, on l'a défoncé ton Pokémon dominant. Vous avez vaincu le banc de Froussardine que j'ai mis des semaines à entraîner. Au fond de moi, je suis un petit peu déçu et mon bon nageur en est très seul. Néanmoins, je suis bien obligé de reconnaître votre réussite à mon épreuve. Vous avez toute mon admiration. Laissez-moi donc vous offrir ceci. Allez, donne. Ça va être une Gem Z, là? D'eau, du coup. Ouais. Épreuve réussie! Nickel. Très très bien. Voici la pose adoptée pour utiliser la force Z de type O. Ah, ok. Ensuite, je vais vous faire cadeau de ma canne à pêche. C'est moi qui l'ai faite. Ah, nickel. Ça m'intéresse. Oh. Alors, est-ce qu'il y a canne, super canne, méga canne ou est-ce qu'il y a juste une canne à pêche? Est-ce que moi d'ailleurs vous explique comment ça servir? Il faut tout d'abord trouver des rochers immergés, les examiner. Ensuite, quand le bouchon s'enfonce dans l'eau, Pokémon. D'accord. Oh, Discuba Ball, impeccable, merci beaucoup. Ça me rappelle la fois où j'ai pêché un alligator rouge. Sérieux? Elle va dire encore c'est une blague. Qui sait? Nous, on a déjà pêché un alligator rouge. Laissez-moi voir combien il y a de Pokémon de la route 5. Non? On va rester là. On va pêcher un petit peu. On va tester cette canne à pêche, les amis. Alors, il faut trouver des rochers dans l'eau. Alors, c'est ce qui est là-bas, par exemple.
Canne à pêche. Non merde, j'ai remonté, je suis con. Alors, voyons voir. Ok, on a pêché un Pokémon. Magikarp. On va capturer, hein. On va capturer puisqu'on ne l'a pas. Niveau 13. Allez, je vais tenter directement la Pokéball. Pas de respect pour Magikarp, hein, quand même. Allons-y. Et ça reste. C'est, voilà, c'est Magikarp. C'est Magikarp. Très bien. On va mettre Magnéti en premier pour paralyser les prochaines captures. Les données de Magikarp sont transférées au Pokédex. Cop, Magikarp. Ok. Ce Pokémon est faible et ne sait pas faire grand chose à part se multiplier à toute allure. On en trouve à ne plus savoir qu'en faire. Pas de surnom. Direct au PC. On va pas prendre, même si on sait très bien qu'il évolue niveau 20 en un putain de monstre qui est Léviator. On va pas avoir un Léviator dans notre équipe puisqu'on cherche plus des nouveaux Pokémon là. Alors, retentons un coup de pêche. Est-ce que ça va être encore Magikarp? Ouais, bon, je pense que la canne à pêche, là, c'est la canne à pêche normale, en fait. Où on va tomber que sur des Magikarp. On n'a pas réussi à fuir contre Magikarp? En tout cas, il a arrêté de pleuvoir. Mais pourquoi j'avais pas réussi à fuir? Bon, on va le défoncer. Tu l'auras voulu. Voilà, merci. Voilà. Miroitir. Alors, qu'est-ce que c'est Miroitir? 65 spécial acier. Ça a 85% de précision. C'est pas très précis, mais c'est quand même mieux que Bombément. Bombément, ça devient vraiment très faible. En plus, c'est physique. On va plus beaucoup s'en servir maintenant de Bombément. Ok, bon. D'accord, allez. On se casse. Est-ce qu'elle va nous accompagner au centre Pokémon là? Ah ok, allez, on y retourne. On aura le temps de pêcher plus tard, effectivement. L'épreuve suivante, c'était laquelle déjà? Ah oui, celle de Kiawe. Si mes souvenirs sont bons, elle a lieu au parc volcanique. Ah, ça m'intéresse. Vous avez visité le ranch Ohana? Oui, dans ce cas vous avez peut-être croisé les simularbres. Ils n'arrêtent pas de jouer à des tours aux gens utilisant la force de l'aide avec mon aquacellite. D'accord. Pour leur donner une petite leçon, si vous agitez votre aquazélite devant eux, ça devrait leur rappeler quelques mauvais souvenirs. Ok, très bien, on va retourner au ranch pour chasser les simularbes, les amis. Alors, ok, notre équipe est quand même en très bon état. Je vais mettre Balafre en premier. On va monter sur notre Mastouf. Et on va retourner tranquillement au ranch. Pour aller là où il y avait les simularbres. Mais en fait, c'est ici. C'est complètement ici, allez. Aquazélite, mon gars. Mimu. Et ils se barrent, du coup. Ah, ils sont partis en courant. Les étranges arbres sont partis vers le dôme royal. D'accord, ok. Ah, les simulaires sont enfuis. Ils ont dû se souvenir de leur raclée. Ah oui, d'accord. Merci, la voie est libre maintenant. Tiens, pour te remercier. Au mystique, cool. D'accord, bah au mystique, au mystique, je vais la donner à Krabagar. Ouais. Même s'il a déjà la pièce rune, on remplace l'objet, tant pis. Pièce rune, on va la donner à Magnéti. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Alors, nouvelle route, route 6, le droit chemin. Ah, un petit objet. Super potion, très bien. Et il y a un petit dresseur là. Allez, viens te battre toi mon gars. Tu as devant toi la terreur des cours de récré de tout Alola. Tremble. Tu m'as bien regardé là. T'as devant toi Smashou de YouTube mon gars. C'est toi qui vas trembler. Magby.
Alors, on commence à voir apparaître des Pokémon de type feu puisqu'on s'approche d'un volcan, très bien. Ça tombe bien, Balafre est de type roche. C'est peut-être là qu'on va pouvoir l'entraîner tranquillement, ce Balafre. J'aime bien Balafre. J'aime bien. Allez, boum, adieu Magby. Et ouais. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah, Arc niveau 17, très bien. Il a l'air de monter vite, hein. Manglouton, on va rester. Il a l'air de monter vite, le petit Araquois. Allez, jet de pierre. Zboum! Ça tue pas. Jet de sable. Ah! Ça, c'est chiant. On va tenter de finir avec une morsure qui a un peu plus de précision. Ok, nickel, ça passe. Et adieu, mon glouton. Très bien. Très, très bien. Balafre niveau 21. Attaque plus 2. Il a pas mal d'attaques, ce Balafre. Je sais pas à quel niveau il évolue non plus. Hein. J'en sais rien du tout. Ok. On va reprendre Mastouf. Pas d'objet dans le coin. Je fouille un petit peu, les amis. Hein. Je suis curieux. Il y a encore un dresseur. Ok, viens battre-toi. Encore un dresseur. Combat. Maurice. Allez, Maurice. Viens de battre Maurice. Simularme. C'est un éleveur, il a qu'un un Pokémon, quoi. Je suis un peu déçu de ça. Pour moi, les éleveurs sont des dresseurs qui ont beaucoup de Pokémon. Allez, on va faire morsure. Remarque, roche sur roche, c'est neutre aussi. Ouh. Ouais, c'est neutre. Ouh. Ça fait mal. Non, on va envoyer Gantbox. On va envoyer Gantbox. Qui résiste à la roche et qui a une attaque combat. Allez, casse-brique. Ça sert à rien de faire point boost, il n'y a pas d'autres Pokémon derrière. Donc voilà, autant faire casse-brique et terminer le duel. Voilà. Tranquillou. Ok. Du coup, je vais soigner un petit peu Balafre. Balafre, on le soigne souvent quand même. Hein. Allez, un petit lait meumeux. Le bon petit lait meumeux. Le bon petit lait des crémeux. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon dans ces hautes herbes? Ah, l'Arvibule qu'on a déjà. Très bien. C'est un type insecte, donc on va peut-être pouvoir lui faire un jet de pierre pour le finir. Il est niveau 16, ça nous fera des points d'expérience. Boum. Et c'est un OHKO. Très bien. On est bien. Ok, pas d'autre montée de niveau. Ah. On quitte Mastouf pour passer dans le passage, parce que Mastouf c'est un très très gros chien, hein, on va pas se mentir. Evoli, on a déjà aussi. En fait, c'est les mêmes Pokémon que dans le ranch. Allez, on va faire jet de pierre. Evoli, il avait que vive attaque. Ah oui, il pouvait baisser notre attaque, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, on va quand même le frapper. Bop. Oui, bien, bien, bien. Bien, ça c'est du bon Balafre. Zbe. Oh, il a morsure aussi celui-ci, d'accord. Et il appelle à l'aide. C'est vrai qu'il peut frapper et appeler à l'aide en fin de tour. Ah, pas d'autre Evoli, très bien pour nous. Allez, on fait morsure. Et voilà, on termine tranquillement. Alors combien d'expérience ça donne? 178, ouais. C'est pas fou. C'est pas fou. Alors. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, une CT. Blabla dodo. Ok. D'accord, donc c'était c'est la barrière du ranch. Il y a un autre passage. Ok, blabla dodo. Pas mal. Allez. Oh! Ah oui, c'est le cheval qu'on a vu. Bourri! Là, dresseur, tu pourrais me filer un coup de main? Des fouets, des fouets. N'aie point peur, je vais point te manger. Ouch, ouch, c'est pas ainsi que ça se passe. Eh, mais je te reconnais, toi, t'es le mieux qu'on a croisé à mêlée. Les deux oiseaux là, c'est des voleurs de Pokémon, tu les connais, toi. Je me souviens d'eux. Y'a intérêt. Je te crois, moi c'est poli. La ville, c'est un endroit de fou, ça oui. Y'a les voleurs de Pokémon qui courent les rues. Et tout, l'accent pas trop forcé quoi. Bon, assez jasé comme ça, tu penses vite droit, vu? Des voleurs? Mais trop pas, c'est du business tout ça.
On a foiré notre coup à mêlé maintenant on mise sur Akala. Pas de question. Pas question de passer encore pour des boulets. Ouche, ouche. Ok. Let's go combat les amis. C'est parti. La Team Skull qui veut encore chercher des embrouilles. À mon avis, ils vont pas être très durs à battre. Hein. Voilà. Un seul Pokémon, une fois de plus. Putain, mais c'est ouf ça. Pourquoi ils ont tous qu'un Pokémon? Allez, cool. On a Balafre avec morsure. Ça, c'est très bien. Un Pokémon, il n'y a aucun challenge. C'est dommage. Et Splex. Ouh, il aime pas la morsure, le petit soporifique. Hein. Allez, OHKO. Bubule niveau 20. Bubule, c'est notre Larvibule. Je sais pas s'il évolue, Larvibule. Ah bah. Et voilà. Il évolue niveau 20, du coup. Alors, en quoi il va évoluer? Ah si, je me rappelle. Ah oui, dans le trailer, je me rappelle. Larvibule évolue. En autobus. Attends, on dirait un bus, quoi. On dirait un bus. En chrysapile. Alors, il est type quoi, chrysapile? Ok. Peut-être électrique, hein, pile. Insecte électrique. Avec son corps capable de stocker l'électricité comme une batterie, il a déjà sauvé la mise à plus d'un campeur peu prévoyant. Trop bien. Chargeur. Non, on garde les anciennes capacités. Chargeur, c'est pas terrible. Ok. Ah, pendant qu'il est défaite, j'ai grave le seum. Genre, ils disent le seum. J'ai grave le seum. Baudry. Bourru. Qu'est-ce que t'en dis, Bourinos? Tu veux leur faire goûter de tes sabots? Fais-toi plaisir. Je m'occupe de faire le ménage derrière. Ça craint grave, on se tue. Je vous laisse tranquille pour cette fois, mais fourrez-vous ça dans le crâne. La Team Skull fait un max de bruit. C'est pour marquer les esprits. On vous retient, alors vous n'avez pas intérêt à nous oublier. Oh là là là. Baudry! Adieu, Baudry! Ah, il connaît le chemin pour rentrer tout seul, tant mieux. En tout cas, vraiment assuré. Ça, oui. Comment tu te prénommes déjà? C'est pas chou, hein. C'est un joli nom, ma fouée. Puis j'aime bien comment tu te bats. Figure-toi que nous aussi, on traîne souvent dans le coin avec Brinos. On va se croiser. Pour sûr, j'ai une dette envers toi, maintenant. On dirait un mec, quoi, quand je le fais parler. La pauvre Polly. Ah, et c'est donc participer à une bataille royale à l'occasion. T'as le niveau pool, c'est moi qui te le dis, même Bruno c'est d'accord. Bruno. Stylé, sympa Bruno. C'est un type... C'est l'évolution de... Comment il s'appelle? De... Merde, Thiboudet. Donc là, il y a le Dôme Royal. Ah, il y a le volcan derrière. Wow, sympa. Mako. Allez, on va au centre Pokémon, les amis. On va soigner notre petite équipe, notre fine équipe, j'ai envie de dire. Et on va s'arrêter là. Allez hop, sauvegarde. On a 3 gemmes Z. Ok les amis, c'était l'épisode numéro 12 de Pokémon Soleil. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu de soutien si c'est le cas. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode pour découvrir ce qu'est ce fameux dôme royal. On va voir ce qui se passe là-dedans. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour du Soleil et Lune. C'était Smashou. Bye tout le monde.